Un peu d'humour dans ce monde de brutes. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Je suis allée à Naturalia. Je suis sortie dans Paris. Et voilà, j'ai donc acheté pour Naturalia parce que j'aime bien, parce que ce sont des choses qui sont bonnes. D'habitude, je prends du fenouil, mais je l'ai payé 1,80 bio. Hein. D'habitude, je prends le fenouil, mais les graines. Mais en fait, c'est pas pratique du tout les graines quand on veut mettre dans la nourriture. Quand on veut mettre dans le poisson, essentiellement dans le poisson, ben, franchement, le fenouil, ça donne un goût super. Je vous assure, c'est délicieux. Mais il ne faut pas le prendre en grain, il faut le prendre en poudre. Et c'est rare de le trouver en poudre. Et là, je viens de le trouver en poudre. C'est que du bonheur. Une marque bio en plus, 1,80. C'est pas plus cher que du croc, hein. Des fois, il faut faire attention. Là, j'ai payé ça 2,99. Ce sont des carottes râpées, Naturalia. C'est ce que je vais manger ce midi, je pense. Je pense que c'est ce que je vais manger. Et j'ai pris des pois chiches. Non, je vais peut-être prendre des pois chiches parce que c'est plus nourrissant. Pois chiches à l'oriental. Voilà. Donc, j'ai payé ça aussi 1,99. 1,99 ça et 2,99 les pois chiches. Et ça, c'est très bon, les pois chiches. Ensuite. Ah oui? Du 6 au 14 novembre, il y a le salon Marjolaine. Donc j'ai une invitation pour une personne. Et du coup, eh bien, j'en ai pris une, j'en ai pris deux, j'en ai pris trois, j'en ai pris quatre. Voilà, j'espère y aller avec ma meilleure amie. Je ne sais pas s'il faut le pass, mais s'il faut le pass, ben, je me mettrai. Je ne sais pas s'il faut le pass en fait. J'ai pas l'impression, mais normalement oui, hein. Est-ce qu'ils le disent? Je ne sais pas. Ils disent pas qu'il faut le pass. Bon, ben, je le ferai quand même. Voilà, je ferai quand même le test, comme ça je serai tranquille. Alors, ensuite, j'ai pris. Alors, ça, c'est une amie à moi. Une amie, comment dire, virtuelle, mais c'est une amie. Elle m'a conseillé. C'est ma poteau. On va dire, c'est ma poteau. Ah ouais, deux flacons de versé, petit débit. Voilà. Du vinaigre non pasteurisé. Alors, ils m'ont certifié que c'était non pasteurisé. Vinaigre de cidre, agriculture biologique. Vinaigre de cidre. Les informations en gras et nanana, à conserver. C'est pas marqué non pasteurisé et pourtant elle m'a dit que c'était, elle m'a certifié que c'était non pasteurisé. J'ai un gros doute. My name is Pomme, French Pomme. Bref, voilà. Ben, je sais pas. Je voulais non pasteuriser, je vais voir avec elle. Ensuite, je regarderai sur internet Naturalia. Ça, alors là, ma vie, je passe ma vie. Oh là là, il est bizarre. Moi, il m'arrive toujours des trucs. Regardez comment il est bizarre là, à l'intérieur. Bon, on s'en fout, c'est de la lessive. Hein. Il a dû prendre un coup de froid. Voilà. Voilà, j'en avais plus. Donc j'en achète régulièrement. Ouais, il a dû prendre un coup de froid, regardez. Je sais pas si vous allez voir la texture bizarre. Regardez, on dirait qu'il y a du coton dedans. Vous avez vu? Normalement, c'est liquide. Moi, je pense qu'il a pris un coup de froid. Attendez. Quand je vous dis, moi, il m'arrive toujours des trucs bizarres. Bref, je vais le laisser reposer et on verra bien. Ensuite, bah, j'ai pris une baguette. Voilà. Vous voyez, j'ai pas une baguette bio. J'ai pas acheté des mille et des cents, c'est une petite vidéo. J'ai vraiment acheté des petites choses. Voilà, en plus, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je me suis trompée. En fait, il s'avère que j'étais à un rendez-vous et je me suis trompée de rendez-vous. Voilà. Bah ouais, mais quand on est un peu perturbé, voilà, hein, on a des petits problèmes, et puis voilà, on pense à d'autres trucs, et puis voilà, bref. Et du coup, eh bien, je me suis trompée. Donc j'ai fait rire tout le monde, ils étaient super contentes parce que je les adore. Et ça m'a fait du bien, parce que je commençais à les connaître. Voilà. Et bah ouais, voilà, bref. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, I love you. Ich liebe dich, te quiero, ti amo. Je vais retirer. Non, ça fait tellement plus joli comme ça. Voilà. Vous savez que ça, je l'ai depuis 2017.
Mais oui, je garde les choses. Hein. Depuis 2017, je l'ai. Je mettrai avec les cheveux rousses, tiens. Bon, ben voilà, ben, je vais manger ça, le petit Naturalia. J'espère que vous allez bien. Comme je dirais toujours, profitez de vos proches. C'est très important. C'est vraiment primordial. Je vous aime du fond du cœur. Ah ouais, j'ai un vernis là, il commence à être un peu écaillé. C'est un vernis marron de chez Essie, de calendrier de l'Avent de l'année dernière. J'achète toujours un calendrier. Ah oui, je voulais vous montrer un petit truc. Attendez. Vous savez bien que je ne sais pas partir, moi. Je vais vous montrer. À la pharmacie, j'ai des cadeaux. Et je me suis dit, il faut que je me trouve un calendrier de l'Avent et je vais me le mettre dedans. Et regardez. Vous allez halluciner, hein. Voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu comme échantillon. Bah parce que voilà, elle sait très bien que pourquoi je vais la voir et du coup ils me font plaisir. Et ça me fait super du. Franchement, ils sont adorables, hein, parce que j'y vais tous les 3 jours. Bah ouais, pour le test, et ils savent pourquoi. Et du coup, regardez, j'ai plein d'échantillons. J'en ai plein. Alors, déjà, j'en ai eu 2 comme ça. C'est des baumes hydratants, peau sèche et très sèche. Cérave. Voilà. Comme ceci, c'est très bien pour mettre là, pour mettre au pied. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, c'est la marque Cérave. J'en ai 2. J'ai 3 hydraphases riches La Roche-Posay. C'est quoi donc? C'est peau hydratée, peau teint fatigué. Voilà, je pense que ça doit être teinté. J'en ai 3. 4. Je dis, j'ai de quoi faire un calendrier de l'Avent. J'ai, je sais pas si vous connaissez, Xéracalme Baume Relipidant de chez Avène. Tolérance crème apaisante réparatrice. Alors ça, restauratrice, ça c'est pas mal. Et voyez, regardez, c'est comme un petit calendrier de l'Avent, quoi. Je leur ai dit, il m'en manque plus beaucoup. Ils m'ont dit, bon, on va vous les donner. J'ai de chez Avène Tolérance. Alors c'est lotion nettoyante. J'ai Avène Trixera crème de douche. En plus, c'est des bons produits, hein, c'est pas de la cochonnerie. Hein. Cérave crème hydratante visage. Tolérance contrôle crème apaisante restauratrice, j'en ai 2. Là, c'est un gros truc là. Huile relaxante. Regardez, ça c'est un gros contenant. Alors, c'est quoi? Huile lavante pélipidante anti-grattage. Alors ça, je l'ai mis une fois parce que je vais vous raconter. Une fois, j'ai fait un test. J'ai voulu faire un make-up avec deux maquillages, un Lancôme, un de Rimmel. Et en fait, je me suis démaquillée. Alors je ne sais pas avec quoi j'ai fait une allergie. Hein, et je me suis démaquillée. Et en fait, il s'avère que j'étais brûlée. J'étais brûlée ici, si vous regardez dans une de mes vidéos, une ancienne vidéo. Dans le make-up, vous allez voir dans Playlist Make-up, j'étais brûlée, brûlée, et j'ai rien trouvé de mieux à mettre que cette huile-là. Ça m'a brûlée 10 fois plus, parce que c'était pas du tout pour ça. C'était pour anti-irritation, anti-grattage. Et moi, je l'ai mis pour des brûlures. Ah, ça m'a brûlée, j'étais obligée de me rincer, tellement ça m'a fait mal. Hydréane riche crème d'eau thermale de chez La Roche-Posay. Crème hydratante de visage, j'en ai une deuxième de chez Cérave. C'est pas fini, hein. Une autre, c'est quoi ça? Alors là, par contre, je ne vois pas ce que c'est. Je pense que c'est de l'eau micellaire de chez Avène. Je ne sais pas. Voilà. Une lotion, j'arrive pas à voir. Franchement, là, j'arrive pas à voir. Voilà, un grand contenant. J'en ai une autre, c'est huile lavante. Apaisante, voilà, de chez Uriage. J'ai Avène, j'ai Hydrance Légère Light. J'en ai 3. Et j'ai crème anti-poche contour des yeux. J'en ai 4, mais je ne sais pas où elles sont. Elles sont tombées. Ah non, elles sont là. Voilà, j'en ai 4 comme ça. Et j'ai eu avec La Belle Vie, mon épicerie. Ça fait drôle, hein, de mettre ça là comme ça. Attendez. Et j'ai eu les petits prodiges, le baume coco. Oh mon Dieu, c'est naturel, ça sent super bon. Voilà. Mais ça, je l'ai eu avec, ouais, comme je vous ai dit, La Belle Vie. Voilà, bah sur ce, cette fois-ci, hein,
Je vous laisse. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein plein de bisous. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous m'avez apporté, tout ce que vous m'apporterez. Voilà, c'est que du bonheur. Je vous remercie des milliards de fois. Ouais, ça c'est un pull. Un pull un peu russe. Voilà, je vous embrasserai fort. Très fort. Et puis, comme je vous le dis toujours, portez-vous bien. D'accord? Et prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Je vous aime. Et je finirai par, non plus, I love you, Ishli Buddy, je te quiero, ti amo. Je pense que je vais finir autrement. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. Que tout cela vous apporte du bonheur. Bisous. Garde le sourire, la 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 la.